Welcome. You've got mail. De droite pour deux électrodes et le bouton de gauche pour deux électrodes aussi, donc à droite, à gauche. Voilà, ça marche bien, Romano. Ça va, tranquille. Ouais, mais c'est bon. Allez, hop, pourri, il a tout flingué. C'est cassé, mon gros. Changez les fils. Attends, mais non, ça marche plus. Il faut mettre comme ça, ouais. Et il faut attendre que ça clignote. Et quand ça s'arrête de clignoter, je fais quoi? Bah, quand ça s'arrête, c'est que ça marche plus. Et si je vais t'électrocuter? Non, mais tu sais qu'à la base, c'est pas fait pour ça, à vrai dire. C'est pas fait pour torturer les gens. Non, mais non, mais tu ne manies pas les boutons comme ça. Normalement, tu le laisses. Ouais, voilà, ça marche plus du tout. Donc, là, en fait, si tu veux, ce que je peux faire, c'est à la première erreur, je le mets, je le laisse. Non, 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 pas question. Ouais, c'est bien ça. Comme ça. Ah, Karim, il aime bien. Ouais, moi, j'aime bien, moi. Ah. Alors. Bon, et Cédric est toujours pas revenu. C'est vite fait, tu t'es pas fait arrêter, ouais. Habs. D'accord. Regarde. Bon, Cédric revient de la rue. Oh là là, je peux pas répondre, je suis avec les keufs. Très bien, Cédric, tu nous raconteras ta nuit de folie. On y va pour le problème du mois. Alors, donc, je vous avais pas dit, c'est Carole. Hein. Carole, 30 ans de Côte d'Or, elle a écrit à Jacques Wengberg, magazine Union, avec ta célèbre sexologue, vue à la télé. Oui. Vous avez gros score, vous avez fait 36%, vous avez voté pour Carole. Alors, eh bien c'est parti. Oui, accrochez-vous, hein. Âme sensible, s'abstenir, faut prévenir avant. Oui, c'est ça. Cher Jacques Wengberg, voilà. Je me présente, je m'appelle Carole, j'ai 30 ans et je suis de Côte d'Or. Je suis déjà depuis quelques années avec mon copain et tout se passe bien sexuellement. À part ce problème dont je vais te parler de suite. J'ai récemment eu un rapport anal avec mon copain. J'adore ça, et lui aussi, ça tombe bien, on s'est vraiment trouvé. Au minimum, il me sodomise une fois par semaine. En général, le samedi soir, c'est là où nous avons le plus de temps pour nous adonner. Le samedi, c'est sodomie. Au jeu ado. Le lundi, c'est ravioli par contre. Non, mais c'est vrai que bon, le week-end, j'imagine, c'est là où les couples baissent le plus. Ouais, en général, la sodomie, c'est le week-end. Ouais, le samedi. Samedi, samedi. Ça dépend. Samedi, en hiver, c'est le mardi. Ça dépend. Ça change un peu. Du climat. Alors, au début, tout se passait bien. Puis j'ai commencé à avoir très très mal au cul. Ah, c'est bizarre, tiens, avec une bite dedans. Il s'est retiré et a crié. Il y a du sang. Il y a du sang. J'étais horrifié. Lui aussi. Il n'a pas arrêté d'hurler. Mais en y regardant de plus près, ah non, qu'est-ce que c'est, je me suis rendu compte que c'était de la matière fécale. Ah, bah, tant mieux. Ah, mais rouge. Ah, mais là, moi, j'ai des betteraves, non? Oui, voilà. Ou des carottes. Des carottes, ouais. Ah, trop manger de carottes, j'avoue. Elle s'appelle Carole. T'imagines, la meuf, elle a pris sa. Elle a écrit, hein, elle a pris sa plume, comme on dit. Ah, sa plus belle plume pour écrire à Jacques Wengberg. Et elle termine où ça? Et bien sur Skyrock. Et ben voilà. Donc je me suis rendu compte que c'était de la matière fécale. Ça alors. Nous avons bien regardé et pas de doute. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il s'agissait bien de caca. Ah, il suffisait de renifler. Hein. Ah, mais faut être débile, ça... penser que c'est autre chose quand même. Non, mais non, mais bon, je sais pas, c'était peut-être, elle a peut-être pas posé non plus un kéko sentier. Ah ouais. C'était peut-être un. Non, mais t'imagines, tu t'arrêtes pendant l'amour pour regarder le truc. Ah, ils ont analysé, tiens. Parce qu'après, tu recommences pas. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que le mec, je comprends qu'il flippe. Je sais pas, moi, je suis en train de faire l'amour à ma meuf, je me retire, je vois du sang. C'est la passée règle. Bah, c'était pas du sang, c'était des betteraves digérées. Bah, ouais, c'est ça, du caca. Alors, c'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive. Pourtant, je n'avais aucune envie d'aller aux toilettes avant ce rapport. Ouais. Pendant, par contre, si. C'est vraiment étrange. Depuis, j'ai honte. Je me sens sale. Ouais, je refuse même C'est lui qui est sale. Je refuse même les rapports anneaux, de peur que cela recommence. Ah, là. J'ai peur de dégoûter mon mec, même s'il m'assurait Oh putain, ça me résonne C'est la première fois que tu te trompes. Ça me résonne dans les hanches. Première fois que tu t'es trompé. Depuis, j'ai honte. Je me sens sale. J'ai peur de le dégoûter, même s'il m'a assuré qu'il n'en était rien. Il a même tourné ça à la plaisanterie. Ah, en me disant que je lui avais offert un petit Kinder. Un Kinder surprise. Ah ouais, ça, c'était la petite surprise du chef, quoi. Comment éviter que ce désagrément ne se reproduise? Comment éviter que ce désagrément se. Putain. Comment éviter que ce désagrément ne se reproduise? Bien. J'aimerais pourtant tellement regoûter aux joies de l'anal. Passion qui nous unit, mon mari et moi. Oh bah putain, ça c'est quoi qui vous unit dans ton couple? Moi, c'est l'anal. C'est l'anal, Adolphe. Comment
faire. Aidez-nous, je t'en supplie. Merci d'avance. Merci. Bon, la tête qui... alors. C'était fort. Ah ouais, bah sur la fin, ouais, c'était fort. Ah, ça a bien eu aujourd'hui. Ouais, pas mal, ouais. Bah, bon, la réponse est plus longue. Hein, donc, tant mieux. Alors. Ouais, faut faire vite hein, pour le problème du mois. Alors, mes amours, c'est tout simple. Par exemple, vous avez déjà joué avec votre boîte à caca. Oh. Filles et garçons, ah bah dites-nous si vous avez déjà eu un petit désagrément, genre un petit cadeau surprise. Ou alors, comment vous réagiriez même, si ça vous, ouais, est, ouais, si ouais. Ça vous est jamais arrivé. Comment vous réagiriez pour ce petit désagrément? Alors Marie, t'as bien laissé un petit cadeau? Non mais écoute... un œuf de Pâques. Non mais par exemple, si c'est déjà arrivé, on me l'a pas dit. Et donc, comment tu réagirais? Toi, tu te rendrais compte que t'as... voilà. Ouais, bon bah ça fait partie du truc. C'est, hein. Ouais, c'est les charmes du tout. Bah, non, mais, les risques du métier. Les charmes, bon, je parlerai pas de charmes, Samy. Là, il y a aucun charme. Ah, ouais, parce que t'allais dire, bon, il y a du charme, mais ça fait la merde quand même. Moi, je fais non, mais tu vois ça, moi je m'excuse. Ah, ouais, non, mais bon, à partir du moment où ah, bah, tu sais, à un moment donné, bon, après, t'évites de... Et en général, ici, la meuf, elle a envie... Je comprends qu'elle ait peur de recommencer, moi. Ah ouais, ouais, bah ça, oh, ça... Ouais. Non mais bon... Ouais. Oh. Mais, eh oui, mais il est là. Ah mais Cédric, hein. Tu l'as senti. Tu es de retour. Ouais, 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 ouais. Alors, le ventre en avant, fier de lui. Bah toujours, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah dégage, Samy. Je sais pas que je colle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas mal. Dégage, il se passe. This is your chance.